Bonsoir à tous. La version au risque fait bien son retour sur les marchés. Le CAC 40 termine sous les 4200 points ce soir. En baisse ce soir, Areva qui compte réduire ses investissements bruts de 200 millions d'euros à moins d'un milliard par an sur la période 2015-2016. Le groupe veut aussi céder au moins 450 millions d'euros d'actifs. Objectif, éviter une dégradation de ses notes de crédit. Encore de gros dégagements sur Bolloré, le groupe qui souffre de son exposition à l'Afrique de l'Ouest, alors que grandissent les craintes liées au virus Ebola. Et puis Natixis résiste ce soir, CMCIC Security a relevé son conseil à accumuler contre conserver avec un objectif porté à 6,10 € contre 4,80 €. Et sans surprise, la grève des pilotes d'Air France qui a duré 15 jours va avoir de lourdes conséquences sur les comptes. Air France KLM estime qu'elle pourrait amputer son excédent brut d'exploitation de quelques 500 millions d'euros cette année. Le trafic en septembre a chuté de 16,3%, essentiellement en raison du mouvement des pilotes opposés aux modalités de développement de Transavia, la filiale low cost du groupe. Fin de ce flash, je vous retrouve demain matin dès 9h30.